Shalom peuple de Dieu, shalom église du Seigneur, soyez la bienvenue à ce direct prophétique de ce soir, de ce dimanche 6 septembre 2020, dont le thème est le veau d'or du 21e siècle, un danger pour l'église. Le veau d'or du 21e siècle, un danger pour l'église aujourd'hui. Alors, d'entrée de jeu, je vais un peu donner quelques définitions, quelques explications par rapport à ce que Dieu m'a révélé concernant le veau d'or du 21e siècle qui est un danger pour l'église actuelle. Le veau d'or ici, c'est une entité, un ensemble de choses, un système d'influence, un ensemble de concepts et de doctrines. Enfin, c'est tout un état d'esprit auquel est rattaché beaucoup de choses. C'est tout un état d'esprit qui est suscité, qui est stimulé par le diable. Et cet état d'esprit, à cet état d'esprit, est lié plusieurs manifestations qui agissent aujourd'hui dans le monde et qui ont pénétré l'église et qui sont en train de rentrer dans l'église. Donc le veau d'or du 21e siècle agit déjà dans le monde. Il influence aujourd'hui le monde et son influence est en train de pénétrer l'église, est en train de rentrer et même dans l'église. Et déjà dans l'église, c'est pour cela, c'est un danger. Alors, je vais vous détailler ce veau d'or selon que le Seigneur me l'a expliqué. Ce veau d'or du 21e siècle dans lequel nous sommes, le 21e siècle dans lequel nous sommes, qui est un danger pour l'église, qui est un danger au sein de l'église, au sein des enfants de Dieu, au milieu du corps de Christ, au milieu du peuple de Dieu. Donc ce veau d'or est constitué de plusieurs éléments. Comme je disais tout à l'heure, c'est un ensemble de plusieurs choses, c'est une entité. Donc il est constitué de plusieurs éléments. Ce veau d'or est constitué de plusieurs éléments. Le premier élément sur lequel le Seigneur m'a attiré, parce que tout au long de ce message, en fait, ce sont des points sur lesquels le Seigneur a attiré mon attention pour avertir l'Église, pour prévenir l'Église, afin que l'Église ne laisse pas l'influence du veau d'or l'envahir. Vous vous souviendrez que dans la Bible, pendant que Moïse était sur la montagne, Moïse qui tardait à descendre, qui tardait à venir, le peuple avait décidé de fabriquer un veau d'or. Ils ont décidé de fabriquer un veau d'or. C'est ainsi que les métaux, l'or a été recueilli auprès du peuple. Et ils ont utilisé cet or pour faire un veau d'or. Parce qu'ils se sont dit, Moïse tarde à venir. Et comme il tarde à venir, ils ont décidé de faire un veau d'or qui devait être leur Dieu. Et cela est prophétique par rapport à l'Église. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Temps, dans l'Ancien Testament, au temps de Moïse, est prophétique par rapport à l'Église aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est allé au ciel, qui est monté, aujourd'hui, il tarde à venir. Aujourd'hui, le monde, même l'Église estime que le Seigneur tarde à venir. Alors aussi longtemps que la venue du Seigneur est retardée, l'Église a tendance à laisser le veau d'or. Et la réaction du peuple juif en ce temps-là est la réaction de l'Église aujourd'hui. Ils ont vu que Moïse tardait à revenir. Alors ils se sont tournés vers autre chose. Ils ne se sont pas tournés vers le Dieu que Moïse leur a fait connaître, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
les éléments qui constituent le veau d'or, le Seigneur attira mon attention sur la science avec ses ramifications et ses démembrements, parmi lesquels la technologie. La technologie est un veau d'or dont le Seigneur m'a parlé, qui est en train de éloigner l'Église de la véritable foi. La technologie en train d'amener l'Église, la science et la technologie en train d'amener l'Église loin de la foi véritable. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans Luc 18, verset 8, « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» Donc, la science et la technologie est en train d'influencer l'Église, est en train d'éloigner l'Église de la véritable foi, est en train d'éloigner de l'Église du surnaturel de Dieu, est en train d'éloigner l'Église du domaine surnaturel, de la foi que enseigne la parole de Dieu, des vérités bibliques de la parole de Dieu. Donc la science et la technologie sont un veau d'or, elles font partie du veau d'or que le diable se sert pour influencer l'Église, pour détourner l'Église de la véritable foi, pour détourner l'Église de la véritable vision, pour détourner l'Église du surnaturel de Dieu, des principes de Dieu. Donc le progrès technologique, le progrès de la science est un danger pour l'Église aujourd'hui. C'est un danger. Alors, c'est un danger dans ce sens. Lorsque l'Église regarde plus à la science, regarde, fait plus confiance à la science, fait plus confiance à la technologie qu'à la puissance de Dieu. Or, la Bible déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en démonstration de puissance. La Bible dit dans Romains 1, verset 16, que l'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et le développement technologique a tendance à éloigner l'Église de la foi qui consiste à croire en la puissance surnaturelle de Dieu, en la puissance de Dieu. Donc la science et la technologie, le diable est en train de s'en servir pour éloigner l'Église de la véritable foi, pour que l'Église n'ait plus cette foi qui croit en la puissance de Dieu. Parce que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On a plus confiance à la science aujourd'hui. Et l'Église a tendance à faire confiance à la science, à la technologie, qu'à la puissance de Dieu. Dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de choses. Je ne dis pas que forcément que le développement technologique, le progrès technologique, que le progrès de la science est forcément mauvais. Non, il y a des avantages. Mais ce progrès technologique, ce progrès de la science ne doit pas nous amener à douter de la puissance de Dieu. Ne doit pas nous amener à ne plus avoir confiance en la puissance de Dieu. Ne doit pas nous amener à nous éloigner de cette foi, à abandonner cette foi qui croit à la puissance de Dieu, à la puissance du nature de Dieu, au principe biblique, au principe de Dieu. Donc nous avons la science avec ses ramifications, ainsi que le développement technologique, ainsi que la technologie. Donc la technologie fait partie des éléments que le diable va beaucoup utiliser, fait partie du veau d'or. Qui est un danger aujourd'hui. Qui est un danger. Et la technologie est en train d'éloigner l'Église de la vision de la foi pour amener l'Église à avoir une vision charnelle, une vision selon la chair, une vision selon la science. Or, la vision de la science, la pensée de la science est opposée à la pensée de Dieu, est opposée à la pensée surnaturelle de Dieu. La science et la technologie est un veau d'or, fait partie du veau d'or qui est en train d'amener l'Église à ne pas voir selon Dieu, selon le spirituel, mais à voir selon la science, à voir les pensées de la science, à voir les pensées de la technologie, à voir selon la technologie, en faisant une analyse selon la technologie, en faisant une analyse selon la science. Cela fait partie du veau d'or.
Cela fait partie du Vaudor. Ensuite, nous avons un autre aspect qui concerne le domaine de l'économie, le domaine de l'économie ou des finances. La vision de Dieu, la pensée de Dieu par rapport à l'économie et les finances est différente de ce que la science nous enseigne, de ce que les philosophies humaines nous enseignent, de ce que les doctrines économiques et scientifiques et financières nous enseignent. Aujourd'hui, le système de pensée du monde nous conduit plus à épargner. C'est vrai, l'épargne n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais plus nous développons cela, cela nous amène à ne plus appliquer les principes de Dieu qui disent que donnez et il vous sera donné. Le système financier économique aujourd'hui, et même des mathématiques et de la science, voudrait que nous enseigne que 1 plus 1 égale à 2. Que celui qui épargne, c'est celui qui s'enrichit plus. Or, dans le système, la pensée économique et financière de Dieu, 1 moins 1 égale encore à plus. C'est pour ça qu'il dit que donner, et il vous sera donné. Celui qui arrose sera arrosé. Donc avec Dieu, celui qui donne, celui qui investit, celui qui donne, gagne encore. C'est pour ça que la Bible dit dans Acte 20, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, cette conception scientifique est en train de s'enraciner dans l'Église. Fait en sorte que nous n'appliquons plus le donner selon Dieu. Nous ne marchons plus selon la pensée de Dieu qui concerne le domaine économique, qui concerne le domaine des finances. Selon le monde, il faut plus s'amasser. Le système de pensée du monde nous amène à amasser, à avoir tout que pour nous-mêmes. Et cet état d'esprit est rentré dans l'Église. Il y a des chrétiens qui sont en train d'investir, qui font des épargnes pour même des générations après eux. Je ne dis pas que épargner c'est forcément mauvais, mais quand tu épargnes, qu'est-ce que Dieu gagne aussi? Mais quand vous examinez, lorsque vous allez en profondeur, vous rendez compte que ces chrétiens-là, à cause de cette conception, à cause de ce concept, à cause de cette vision économique et financière, il n'arrive plus à investir pour l'œuvre de Dieu. Il n'arrive plus à donner pour Dieu. Il n'arrive plus à aider pour les frères et sœurs. Il n'arrive plus à aider pour des veuves et des orphelins. Il n'arrive plus à aider pour les démunis. Comme ce qui s'est passé dans l'église primitive. Parce que dans l'église primitive, le donner était pratiqué. Lorsque vous lisez Actes chapitre 4, la Bible dit qu'une grande grâce reposait sur eux, au point qu'il n'y avait plus d'indigents. Parce que le donner était pratiqué. Parce que plus il y a le donner, plus la grâce augmente. Or, aujourd'hui, le système financier économique que nous apprenons dans le monde nous amène à plus épargner. Et aujourd'hui, les chrétiens épargnent pour eux-mêmes. Ils épargnent. Mais de l'autre côté, ils n'appliquent pas le donner selon Dieu. Donner, il vous sera donné. Il ne pratique pas le donner de Dieu. Il ne pratique pas les règles économiques, les règles financières qu'il y a dans la Bible. Et à la base, selon ces règles, il faut donner pour qu'il te soit donné. Il faut arroser pour être arrosé. La Bible n'édite pas, je crois que c'est dans Proverbe 3, honore l'Éternel avec tes biens. Et tes greniers seront remplis. Donc ça fait partie des veaux d'or qui est rentré dans l'église. Le système de pensée, le système financier actuel
Cela fait partie des veaux d'or. Et ce qui fait que les chrétiens, les enfants de Dieu, ne gèrent plus leurs finances, leurs investissements, selon les principes de Dieu, mais selon les principes du monde. Et nous nous étonnons que la bénédiction de Dieu ne nous accompagne pas dans nos entreprises, ne nous accompagne pas dans nos investissements, ne nous accompagne pas dans tout ce que nous faisons avec les finances. Mais c'est parce que nous ne faisons pas selon les règles financières, les règles économiques qu'il y a dans la Bible. Nous faisons maintenant selon les règles financières, les règles économiques que le monde nous enseigne, que les savants nous enseignent, que les professeurs, les sages de ce monde nous enseignent. Oh, un enfant de Dieu, la grâce de Dieu l'accompagne dans ses finances, dans ses investissements, lorsqu'il pratique les règles financières, les règles économiques qu'il y a dans la Bible, qui sont selon Dieu. Donc aujourd'hui, ces règles du monde, cette façon de penser du monde, domine maintenant plus dans l'Église. Cela fait partie du veau d'or. Dans ce veau d'or, il y a le système de pensée de ce monde. Tout cela fait partie du système de pensée de ce monde. Les chrétiens agissent maintenant selon le système de pensée de ce monde. Oh, la Bible dit dans Romains 12, à partir du verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » L'Église a besoin d'être transformée parce que le veau d'or est en train de rentrer dans l'Église, est en train de grandir dans l'Église. Et pour que le veau d'or soit vaincu, soit renversé, il faudra que l'Église soit transformée par le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence commence lorsque nous revenons au principe de Dieu, lorsque nous revenons aux règles de Dieu, lorsque nous revenons selon la parole de Dieu, lorsque nous revenons à la parole du Seigneur. Ensuite, nous avons l'amour de l'argent. L'amour de l'argent fait partie du veau d'or. Avoir de l'argent n'est pas une mauvaise chose, mais l'amour de l'argent n'est pas une bonne chose. Et la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent fait même en sorte que un chrétien qui est dans les affaires, qui a des activités, il va négliger la prière, il va négliger les programmes de Dieu. Parce que il veut faire rentrer beaucoup d'argent. Quelqu'un n'a-t-il pas dit, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Lorsque l'argent amène plus de place dans la vie d'un chrétien, alors à ce moment, l'argent devient son maître. Lorsque la recherche de l'argent passe avant Dieu, passe avant tes engagements avec Dieu, passe avant le culte avec Dieu, passe avant ton intimité avec Dieu, alors tu es dans le système du veau d'or. Et cela aujourd'hui est dans l'Église. Cela pénètre l'Église. Cela est dans l'Église. Et le veau d'or aussi, c'est lorsque nous recherchons à nous amasser beaucoup d'argent sans penser aux intérêts de Dieu. Sans penser aux intérêts de Dieu. Lorsque ton cœur brûle plus pour tes projets, pour amasser de l'argent que pour toi-même, et que Dieu est absent dans tes projets, et que tu recherches plus l'argent que pour tes intérêts, il n'y a pas aussi les intérêts de Dieu. C'est que tu es sous la domination du veau d'or. Et le veau d'or est un danger. Le veau d'or est un danger. Lorsque l'esprit de veau d'or s'enracine dans l'Église, il devient un obstacle à la bénédiction, à la grâce de Dieu, à la faveur de la multiplication de Dieu. Et ça fait que beaucoup de chrétiens se retrouvent investis comme dans un sac percé. Mais parce que l'esprit de veau d'or les a pénétrés. Et quand l'esprit de veau d'or est là, l'esprit de veau d'or empêche que la grâce de Dieu apporte la multiplication dans ta vie, apporte une faveur
apporte une faveur spéciale dans ta vie. Cela retarde beaucoup de choses. L'esprit de veau d'or est opposé à Dieu. L'esprit de veau d'or éloigne la grâce de Dieu. Lorsque l'esprit de veau d'or s'enracine dans l'église, il éloigne la grâce. C'est pour cela que je dis, c'est un danger pour l'église. L'esprit de veau d'or fait que la grâce s'éloigne. L'esprit de veau d'or fait en sorte que la bénédiction de Dieu n'accompagne pas un enfant de Dieu dans ses affaires, dans ses finances, dans ses entreprises, dans son commerce. Parce que l'esprit de veau d'or, l'état d'esprit de veau d'or, c'est un état d'esprit, c'est opposé à Dieu. C'est un obstacle. Donc dans le veau d'or, nous avons aussi le matérialisme. Lorsque le matérialisme prend plus de place dans le cœur de l'église, c'est que l'esprit de veau d'or est en train et dans sa manifestation. Le matérialisme fait partie du veau d'or. Depuis Moïse, Dieu a été toujours contre l'esprit du veau d'or. C'est pour cela que le veau d'or avait été détruit. Le veau d'or avait attiré la colère de Dieu. Le veau d'or freine la grâce. Nous avons aussi la montée des fausses doctrines. Aujourd'hui, des fausses doctrines sont en train de pénétrer l'église. Ça fait partie du veau d'or. C'est un danger. Les fausses doctrines. Aujourd'hui, on a des soi-disant pasteurs ou des prophètes, je ne sais pas, je ne sais quoi d'autre, qui ont introduit des fausses doctrines. Lorsqu'une sœur à Christ a des problèmes des problèmes de stérilité et qu'elle n'arrive pas à concevoir, on a des soi-disant pasteurs qui leur demandent que ce pasteur-là demande, dit d'abord à la sœur-là que pour être délivré, il doit aller avec cette sœur. Il doit passer une nuit avec elle. Il doit passer des heures d'intimité avec elle. D'autres se retrouvent abusés de ces femmes sous prétexte que c'est la clé de la délivrance. D'autres pour chasser les esprits de mari de nuit. Il dit d'abord qu'il doit s'accoupler avec la sœur en Christ pour que l'esprit de mari de nuit s'en aille. Ça fait partie du veau d'or. C'est des fausses doctrines, des doctrines diaboliques. Il n'est pas écrit quelque part qu'il faut le faire pour chasser un esprit de stérilité, pour chasser un esprit de mari de nuit. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Il n'a pas dit que pour chasser un esprit, il faut d'abord s'accoupler avec la sœur en Christ. Qu'il faut d'abord s'accoupler, coucher avec cette sœur. Ça fait partie du veau d'or. Les fausses doctrines font partie du veau d'or. Aussi, c'est le nouvel ordre mondial qui est en train de monter tout doucement avec toutes ces idéologies et ces conceptions. Alors, Église, ça fait partie des dangers. Ne laissons pas cela nous éloigner de la véritable foi. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Il y a la mondanité ou l'amour du monde. Lorsque nous aimons le monde, les biens de ce monde maintenant, plus que Dieu, c'est que le veau d'or est en pleine manifestation. Et ce veau d'or est déjà même dans l'église. Ne laissons pas ce veau d'or grandir et nous éloigner de Dieu. La mondanité et l'amour du monde. Aimer les choses du monde. Combien de chrétiens aiment le monde, aiment les biens de ce monde plus que Dieu, aiment encore les ambiances,
aime encore les ambiances comme lorsque ils étaient païens avant d'accepter Jésus-Christ. C'est la preuve du veau d'or au milieu de l'église. La mondanité, l'amour des choses du monde fait, des choses de ce monde fait partie du veau d'or qui est un danger pour l'église aujourd'hui. Oh, église de Dieu, réveille-toi. Ne laisse pas le veau d'or. Le veau d'or s'enraciner et te détourner de ton Dieu. Comme le peuple d'Israël qui s'était détourné de Dieu pour avoir le veau d'or. Nous avons su l'œcuménisme. L'œcuménisme est un mouvement qui préconise l'union des confessions religieuses. L'union des confessions religieuses. L'œcuménisme fait partie du veau d'or. Le veau d'or qui est en train d'influencer l'église. L'œcuménisme en fait partie. Je continue toujours à développer le veau d'or qu'il y a dans l'église. La démangeaison d'entendre de bonnes choses, de belles paroles. Aujourd'hui, c'est dans l'église. Les chrétiens aiment les bonnes paroles. Ils aiment les bonnes choses. Un chrétien peut vivre dans le péché, mais il veut que vous lui prophétisez du bien. Vous lui prophétisez sa promotion. Malgré qu'il ne vit pas en règle avec Dieu. Malgré qu'il a une vie. Il mène une vie de débauche. Il a plusieurs maîtresses. Alors, la démangeaison d'entendre de bonnes choses et de belles paroles, ça fait partie du veau d'or. L'église n'aime plus la parole de la vérité de l'évangile. L'église aime ce qui lui plaît, aime entendre ce qui lui plaît. L'église ne cherche plus à entendre ce que Dieu veut lui dire. C'est la preuve du veau d'or. Cela fait partie du veau d'or. Lorsque vous rejetez la vérité de Dieu, lorsque vous rejetez les messages de Dieu, il y en a qui n'aiment plus les messages de repentance. Il y en a qui n'aiment plus les messages de conversion. Mais ils aiment entendre que les bonnes paroles. Les paroles où on leur dit du bien. Comme lorsque les prophètes d'Akab allaient vers le roi Akab et lui disaient que du bien. Ils disaient que du bien, même quand tout allait mal. Ils disaient toujours que du bien. Lorsque l'église rentre dans cet état d'esprit, c'est que nous sommes dans le... C'est que le veau d'or est déjà au milieu de nous. C'est que le veau d'or est déjà là. Et ce veau d'or, cet état d'esprit se manifeste aujourd'hui dans l'église. Les chrétiens ont la démangeaison que d'attendre de bonnes choses. Combien de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'un homme de Dieu prêche sur la sanctification, lorsqu'un homme de Dieu prêche sur le retour de Jésus, lorsqu'un homme de Dieu prêche sur la repentance, lorsqu'un homme de Dieu prêche sur la conversion, lorsqu'un homme de Dieu prêche sur le pardon, lorsqu'un homme de Dieu prêche sur l'amour, lorsqu'un homme de Dieu prêche sur certains principes bibliques, il n'y a presque pas des amens. Lorsqu'un homme de Dieu prêche ces choses, les amens se font rares. L'église rentre dans un silence de cimetière. C'est la preuve que l'esprit du veau d'or. Lorsque l'esprit du veau d'or n'est pas dans une église, peu importe le message, le peuple de Dieu dira amen. Le peuple de Dieu va rendre grâce à Dieu. Même si c'est un message de repentance. Le peuple de Dieu va dire merci au Seigneur. Va dire à Dieu, oh Seigneur merci. Je croyais que j'étais sur une bonne voie. J'étais en train de m'égarer. Je te dis merci. Lorsque le veau d'or n'a pas pris place dans une église. Et qu'un homme de Dieu prêche la repentance. À la fin, le peuple va dire merci à cet homme de Dieu. Va dire à cet homme de Dieu, tu nous as fait du bien. Ce message de conversion. Ce message de repentance m'a fait du bien. Mais la démangeaison d'entendre de bonnes choses a rempli l'église. Même quand l'église était garée, elle amena la démangeaison. Parce que lorsqu'on est garé, le premier message de Dieu, c'est d'abord le retour, c'est la repentance. Le premier message de Dieu, tu vas être levé. C'est pas ça d'abord la première pensée de Dieu pour ses enfants. Donc la démangeaison d'entendre de bonnes choses, de belles paroles. Dans ce veau d'or,
Le remplacement de la crainte de Dieu par la crainte de Dieu par la crainte des hommes de Dieu. C'est un danger. Le veau d'or. Aujourd'hui, les chrétiens, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu ne craignent plus Dieu, mais ils craignent plus les hommes de Dieu. Le Seigneur m'a dit que cela fait partie du veau d'or. Lorsqu'on craint plus l'homme de Dieu que Dieu, c'est que l'esprit de veau d'or est rentré dans l'église. Ça fait partie du veau d'or aujourd'hui dans l'église. La crainte de l'homme de Dieu. On craint plus l'homme de Dieu que Dieu. La Bible ne demande pas de craindre les hommes de Dieu. La Bible dit que obéissez, nous enseigne à être obéissants et de nous soumettre et de respecter les conducteurs spirituels et non de les craindre. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Lorsque des gens, des chrétiens craignent plus l'homme de Dieu que Dieu, quand c'est à la maison, craignent plus le pasteur que Dieu. Mais celui qui craint Dieu, que le pasteur soit présent à l'église, qu'il soit en mission, qu'il soit en séminaire dans une autre église, ce chrétien viendra toujours adorer dans la même ferveur. Il y en a d'autres qui font semblant de lever les mains au ciel quand l'homme de Dieu est là. Mais le jour que l'homme de Dieu va prêcher ailleurs, ils ne lèvent pas les mains au ciel. Ils sont comme des spectateurs. Ils sont comme un païen qui vient d'arriver dans l'église. Alors qu'il est dans l'église là depuis des mois, depuis des années. Il a même des responsabilités dans l'église. Mais pendant qu'on est en train d'adorer, pendant qu'on est en train de prier, il a les bras croisés. Ou bien il marche sans chewing-gum. Ou bien il fait des selfies en pleine église, en pleine adoration. Ça, c'est des chrétiens qui ne craignent pas Dieu. Ils craignent l'homme de Dieu. Et le jour que l'homme de Dieu revient, ils font comme si ils se comportent comme des agneaux, comme des croyants convertis. Ça fait partie du veau d'or qu'il y a dans l'église. Les chrétiens craignent plus. Ils craignent plus les hommes de Dieu que Dieu lui-même. Pourquoi quand l'homme de Dieu n'est pas là, il est absent, eux aussi sont absents. Quand il n'est pas là, ils ne sont pas zélés. Un programme qui n'a pas été initié par le leader, ils ne sont pas motivés. C'est pour cela, à l'église, ils sont saints. Au quartier, ils ont une autre vie. Ils ont un autre témoignage. À l'église, ils sont des agneaux. Et dans leur maison, ils sont des loups. Parce qu'ils craignent plus le pasteur que Dieu. C'est le veau d'or. Lorsque vous craignez la crainte de l'homme de Dieu, au point de ne plus craindre Dieu, c'est un veau d'or qu'il y a aujourd'hui dans l'église. Les chrétiens ne craignent plus Dieu, mais ils craignent les serviteurs de Dieu. Ils craignent le pasteur. Et ils ne craignent pas Dieu. C'est pour cela, quand le pasteur n'est pas là, ils font ce qu'ils veulent. Ils font des choses qui déplaisent à Dieu. Des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est un veau d'or qu'il y a dans l'église. Quand vous remplacez la crainte de Dieu par la crainte des hommes de Dieu, c'est que vous êtes contrôlé par l'esprit du veau d'or. Et le veau d'or ne plaît pas à Dieu. Quittez la crainte de l'homme de Dieu. Vous devez respecter, honorer, vous soumettre au conducteur spirituel. Mais la crainte, vous devez craindre Dieu. Et c'est pour cela, aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu sont entourés des hypocrites. Ils ont des enfants hypocrites. Ils ont des collaborateurs hypocrites. Parce que c'est des gens qui craignent plus l'homme de Dieu, qui craignent la servante de Dieu, mais qui ne craignent pas Dieu. Ils font des choses étranges et qui surprennent leur conducteur spirituel, qui surprennent leur leader, parce qu'ils ne craignent pas, ils ne craignaient pas Dieu. Ils craignaient le serviteur de Dieu. C'est un manque. Plutôt, cela fait partie du veau d'or. Lorsque l'église considère le Seigneur Jésus-Christ uniquement comme sauveur et non comme Seigneur, cet état d'esprit, cette attitude, cela fait partie du veau d'or. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des gens qui ne suivent que le Seigneur que pour les miracles, que pour les bénédictions. Mais ils ne sont pas prêts à l'adorer. Ils n'ont pas d'intimité avec lui.
parce que Jésus-Christ est juste le sauveur, est juste là pour leur faire des miracles. Quand tu es dans cet esprit, quand l'église est dans cet état d'esprit, c'est que c'est le veau d'or. Là où il n'y a pas le veau d'or, on considère le Seigneur dans toutes ses dimensions comme Seigneur. Lorsque Jésus-Christ est réellement Seigneur dans ta vie, tu auras une intimité avec lui. Tu aimerais l'adorer. Tu vas l'aimer. Tu vas le servir. Tout ce qui est à toi est à lui. Ta vie, il sera réellement le maître de ta vie. Tu ne feras rien par toi-même, mais tu feras selon ta volonté. Et plutôt, tu feras selon sa volonté. Beaucoup ont pris le Seigneur juste comme le Père Noël qui leur apporte des cadeaux. Ils ont pris le Seigneur juste pour les bénédictions. Quand le Seigneur leur apporte ce qu'ils veulent, ils disparaissent de l'église. Ils n'ont même plus de vie de prière. Et quand un nouveau besoin se présente, ils reviennent à l'église pour que l'homme de Dieu prie pour eux, pour obtenir. Et quand ils sont obtenus, alors ils redisparaissent. Ils redisparaissent, plutôt. Tant pour moi. Ils redisparaissent. Mais quand Jésus-Christ est Seigneur, dans la vie d'un chrétien, d'un croyant, il est engagé à le servir. Il est fidèle à lui. Il persévère dans les prières, dans les enseignements, comme l'église primitive qui persévérait dans les prières et dans les enseignements des apôtres. Il a une intimité avec Jésus-Christ chez lui, partout ailleurs. Il ne peut pas commencer sa journée sans d'abord rencontrer son Seigneur. Il adore, il cherche à le connaître, il cherche à le découvrir. Parce que la Bible dit dans Jean 17, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le véritable Dieu. Il cherche à voir la révélation de Christ. Il cherche à grandir dans la connaissance spirituelle de Christ, dans la connaissance spirituelle du Seigneur. Je continue à développer le veau d'or. Le veau d'or aussi, c'est l'égoïsme, la recherche de juste de nos intérêts, les prières personnelles, l'égoïsme et notre intérêt. Lorsque dans nos prières sont concentrées que sur nous, nous ne prions pas pour nos bien-aimés qui sont aussi dans le besoin. Nous ne prions pas pour leurs besoins. Nous ne prions pas pour les hommes et les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les conducteurs spirituels. Nous ne prions pas pour le progrès du ministère. Nous ne prions pas pour l'avancement du royaume de Dieu. Et que nos prières sont uniquement que focalisées dans sur nos besoins. Ça s'appelle de l'égoïsme. C'est l'intérêt personnel. Et à ce moment-là, c'est le veau d'or. C'est que vous êtes dans l'esprit du veau d'or. L'esprit de veau d'or vous rend égoïste même dans vos prières. Dans vos jeûnes, dans vos prières, vos jeûnes. Combien de chrétiens aujourd'hui prient et jeûnent pour le salut des âmes, prient et jeûnent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, prient pour et jeûnent pour leur conducteur spirituel. Lorsqu'il n'y a plus cela, c'est qu'il y a l'esprit du veau d'or. Lorsque tes jeûnes de 30 jours, tes jeûnes de 5 jours, de 40 jours ne sont que pour tes intérêts, c'est que tu es animé par l'esprit du veau d'or. C'est la preuve du veau d'or dans l'église. C'est la preuve de du veau d'or dans ta vie. C'est la preuve du veau d'or. L'égoïsme, le manque d'amour fraternel a pénétré l'église. Tout ce que nous faisons devient que centré que pour nous-mêmes. C'est l'esprit du veau d'or. Le fait de se contenter que des prières de l'homme de Dieu sans avoir une vie de prière personnelle, c'est le veau d'or. C'est qu'à ce moment, vous faites de l'homme de Dieu une idolâtrie, une idole. Tu te contentes que de ces prières, mais chez toi, tu ne pries pas. Tu n'as pas une intimité avec Dieu pour connaître ce Dieu, pour progresser avec ce Dieu, pour lire sa parole. Et que lorsqu'il y a un problème, c'est là où tu vas voir l'homme de Dieu, tu apparais à l'église. C'est l'esprit, cet état. En dehors des prières que l'homme de Dieu fait pour toi, tu dois avoir une vie de prière toi-même. Tu dois apprendre à combattre. Tu dois avoir une vie de prière. Tu dois apprendre à marcher selon la parole. Tu dois apprendre à pratiquer la parole. Parce que l'homme de Dieu, quand il prie pour toi, il se met à pratiquer la parole. Il applique simplement ce qui est écrit.
l'égoïsme, le développement des prières pour nos propres besoins. Cela fait partie de, du veau d'or. Donner avec intérêt. Donner avec intérêt fait partie du veau d'or. Tu viens donner. Tu fais une offrande. Tu donnes. Il y a des chrétiens, ils sont fidèles à la dîme. Parce qu'ils veulent que dans 6 mois, son prétendant ou dans 1 an l'épouse. Et que passé 1 an, le prétendant ne l'épouse pas. Ce chrétien commence à ne plus être fidèle à sa dîme. Ça, c'est donner avec intérêt. Il prend des engagements. Lorsque tu le fais parce que tu veux que dans un an, cet homme t'épouse. Là, tu es dans l'esprit du veau d'or. Lorsque l'esprit du veau d'or dans le domaine de donner, du donner, n'est pas qu'on a l'église, c'est que c'est une église qui donne avec amour, qui donne pour l'avancement de l'œuvre de Dieu avec amour, qui donne pour soutenir les hommes de Dieu avec amour, qui donne pour soutenir les frères et sœurs en Christ qui sont dans le besoin avec amour. Ils pratiquent le donner avec amour, comme Dorcas. Dorcas pratiquait le donner avec amour. Elle pratiquait le donner avec amour. Et comme elle le faisait sans intérêt, oh Dieu s'est souvenu d'elle lorsqu'elle est morte. Dieu l'a ramenée à la vie. Dorcas le faisait avec amour. Dorcas le faisait parce que, selon les principes de la parole de Dieu, selon les principes, lorsque nous fixons des bases, lorsque nous fixons des objectifs, je fais telle chose pour Dieu. Parce que je veux que dans tel délai, Dieu accomplisse. Non, le délai ne t'appartient pas. Le délai appartient à Dieu. Fais-le avec amour. Si le temps que tu t'es donné, la chose ne s'est pas accomplie, continue. Lorsque l'esprit de veau d'or n'est pas d'influence pour un chrétien, et qu'un chrétien fait des actions de grâce, fait des offrandes, fait des dons, parce qu'il veut que dans 6 mois, Dieu opère tel miracle. Lorsque les 6 mois arrivent et que le miracle n'est pas arrivé, le chrétien qui n'est pas animé par l'esprit du veau d'or, il continuera toujours à donner. Parce qu'il a compris que cela fait partie de ses devoirs. Cela fait partie de ses missions. Et comme Dieu est fidèle, Dieu se souvient de lui au temps favorable. L'esprit de veau d'or fait en sorte que nous n'attendons pas que Dieu se souvienne de nous au temps favorable. L'esprit du veau d'or fait en sorte que nous n'attendons pas le temps favorable. Nous n'attendons pas de voir l'intervention de Dieu. L'esprit du veau d'or amène les chrétiens à rechercher des raccourcis. Lorsque tu cherches maintenant des raccourcis, comme Sarah Abraham, pendant que la promesse tardait à venir, à s'accomplir, de leur héritier, Isaac, ils ont pris le raccourci. Le raccourci, Abraham est allé avec sa servante Agar pour avoir un enfant, Ismaël. Mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. Et aujourd'hui, l'esprit de raccourci est rentré dans l'église. L'esprit de raccourci fait partie du veau d'or. L'esprit d'obtenir les choses avec facilité fait partie du veau d'or. Parce que l'esprit de veau d'or t'amène à ne pas être patient, t'amène à ne pas être persévérant. Or, la patience fait partie du fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 22. Oh, la volonté de Dieu est que tu donnes libéralement, avec libéralité. La volonté de Dieu est que tu donnes avec libéralité. Tu ne dois pas te fixer avec les barres. Même si tu te fixes les barres, mais tu continues toujours à être fidèle. L'esprit du veau d'or est opposé à la fidélité envers Dieu. Lorsque l'esprit du veau d'or anime des chrétiens, ces chrétiens à un moment donné deviennent infidèles envers Dieu, infidèles envers leurs, par rapport à leurs engagements, infidèles
selon dans les principes de Dieu, infidèles dans le donner, infidèles dans le soutien de l'œuvre de Dieu, infidèles dans leur participation pour l'avancement du royaume de Dieu, pour le salut des âmes. L'ingratitude grandissante. Aujourd'hui, l'ingratitude devient grandissante au sein de l'Église. L'ingratitude. L'ingratitude d'abord envers Dieu. L'ingratitude envers les dirigeants. L'ingratitude envers tous ceux qui font du bien. Beaucoup de chrétiens sont devenus ingrats envers tous ceux qui leur ont béni, tous ceux qui leur ont fait du bien. Lorsque l'esprit de l'ingratitude devient grandissant sur le veau d'or, l'ingratitude fait partie du veau d'or. Combien des enfants de Dieu, ils ont été bénis par XY, ils ont été soutenus par XY, mais ils sont les premiers à les crucifier, à les calomnier, à les dénigrer ceux qui les ont soutenus. Parfois, des calomnies remplies de mensonges, de fausseté. Ça, c'est aussi nos veaux d'or. L'ambiance chrétienne dans l'église aujourd'hui, ça fait partie du veau d'or. Il y en a qui ne viennent qu'à l'église à cause de bons sons de musique. Et cela me conduit automatiquement vers les chants et les musiciens. L'esprit de veau d'or a pénétré tous ceux qui sont musiciens et chantent dans l'église. Ils n'ont plus de vie de prière. Ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Tout ce qui leur préoccupe dans l'église, c'est leur talent. Aller jouer, aller chanter avec leur belle voix. Ça, c'est le veau d'or. C'est leur talent qui a pris de la place. C'est leur belle voix. C'est leur talent musical qui ont pris de la place. Il y en a d'autres qui en font même du commerce. Du commerce. Ils jouent dans une église parce qu'on doit lui payer. Ça, c'est l'esprit du veau d'or. Mais lorsque j'ai accepté Jésus-Christ, les chants que j'ai connus dans la fin des années 80, début des années 90, les chants et les musiciens de cette époque n'étaient pas comme cela. Oh, je comprends maintenant la puissance, l'onction qu'il y avait dans leur adoration. Au point que quand un païen venait, quelqu'un venait, vous voyez un papa, il se jette à genoux, il commence à pleurer, à réaliser l'amour de Dieu. Tellement, pendant que ces chanteurs consacrés, ces musiciens consacrés sont en train de chanter, ils sont touchés. Je me rappelle dans une église de la place, quelqu'un s'était converti comme cela. Il dit, pendant que le pianiste jouait, le son simplement du piano, il a entendu la voix de Dieu à travers le son du piano. Parce que c'était le chant des musiciens délivrés de l'esprit du veau d'or. L'esprit du veau d'or doit quitter l'église, doit quitter les chants et les musiciens qui en font maintenant du commerce. Ils jouent à cause de leur talent pour être des célébrités, pour être appréciés et non pour la gloire de Dieu. C'est à cause du talent de musique. Voilà pourquoi certains, quand ils sont dans les publicités avec plusieurs sœurs en Christ et que l'homme de Dieu les sanctionne, ils préfèrent quitter. Ils disent, je ne peux pas rester comme ça, je dois trouver une autre église où je vais aller jouer. En fait, ce qu'il amène, c'est le talent. Ce n'est même pas qu'il aime Jésus, c'est pas qu'il a une intimité avec Dieu. C'est tout ce qui fait partie de l'esprit du veau d'or. C'est un danger pour l'église. Toutes ces choses sont des dangers, sont un danger, constituent un danger. Le veau d'or constitue un danger pour l'église. Alors, peuple de Dieu, détruisons le veau d'or au milieu de nous, église de Jésus. Le veau d'or est une pierre d'achoppement. Séparons-nous du veau d'or. Divorçons avec le veau d'or. Divorçons avec l'esprit, l'état d'esprit du veau d'or. C'est un danger aujourd'hui dans l'église. Séparons-nous de cela. Et le Seigneur nous accueillera.
Nous sommes à l'heure de la purification. Où Dieu est en train de purifier son église. Parce qu'il reviendra prendre une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Acceptons la purification du Seigneur. C'est l'heure de la purification. Où le Seigneur décide de purifier l'église, de séparer de l'église du veau d'or. Il n'a-t-il pas dit, ôtez les dieux étrangers. Le veau d'or est un dieu étranger. Ôtons tout ce qui constitue le veau d'or. Séparons-nous. Sinon, nous ne nous en séparons pas. C'est un danger qui risque de nous éloigner de la véritable foi, qui risque de nous éloigner de la volonté de Dieu, qui risque de nous éloigner de ce que Dieu a prévu de faire, qui risque de retarder ce que Dieu a prévu d'accomplir. Église de Jésus, sépare-toi du veau d'or. Ôtez les dieux étrangers, les dieux étrangers de vos cœurs. Sortez! Séparez-vous de cela, parce que le veau d'or fait partie de Babylone. Le veau d'or fait partie des choses de la fin des temps. Le veau d'or fait partie des éléments de l'Antéchrist. Ça fait partie de ces choses. Le veau d'or est opposé à la grâce de Dieu dans nos vies. Est opposé à la marche de l'esprit. Est opposé à la vie de l'esprit. Est opposé à la volonté de l'esprit. À la volonté parfaite de Dieu. Le veau d'or amène la sécheresse spirituelle. Le veau d'or retarde l'accomplissement des desseins de Dieu. Le veau d'or combat la vie de l'esprit. Amène la mort spirituelle. Et aujourd'hui, le veau d'or est en train d'amener la mort spirituelle dans l'église. Réveille-toi, église de Jésus-Christ. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Ne laisse pas le veau d'or. Le veau d'or nous empêche de nous conformer à la volonté de Dieu. Le veau d'or pousse l'église à se conformer au monde. Oh, la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire au système de pensée de ce monde, c'est-à-dire à ce monde, à la manière de vivre de ce monde, aux conceptions de ce monde. Mais laissez-vous transformer par la volonté de Dieu. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Le veau d'or est là pour nous éloigner des vérités de Dieu, pour nous éloigner à demeurer dans sa parole, à être comme des sarments qui sont rattachés au cèpe. N'a-t-il pas dit que tout sarment qui ne porte pas de fruit, il le retranchera. Et tout sarment qui porte le fruit, il émonde. Dieu veut que nous soyons des sarments qu'il émonde. Dieu veut que nous soyons des sarments qui portent des fruits pour nous émonder davantage. Dieu veut émonder l'église, veut tailler l'église en ôtant le veau d'or. Mais tu dois coopérer, tu dois accepter de te débarrasser du veau d'or. Parce que nous sommes au temps où il est en train d'émonder l'église. Il est en train de tailler l'église. Dieu est en train de tailler l'église. Nous sommes à ce moment. Nous sommes arrivés à cette période où Dieu veut tailler et en train de tailler l'église, veut émonder l'église. Le veau d'or est un ennemi de la foi, est un ennemi de la volonté de Dieu. Le Seigneur dit ce soir, tout sarment qui ne porte pas de fruit dans son église sera retranché. Il sera retranché. Il sera retranché par lui qui est le cèpe. Il y a une fossile que Dieu me montre. Cette fossile divine, je vois un ange la tenir. C'est pour retrancher tout sarment qui ne porte pas du fruit. Église du Seigneur, débarrasse-toi du veau d'or. Nous sommes à l'heure de la purification. Nous sommes à l'heure où il est en train d'émonder. Il est en train de retrancher. Il est en train d'émonder les sarments qui portent du fruit. Il est en train de tailler. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie ce soir au travers de cette parole. Que cela impacte vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.